Bienvenue sur votre chaîne préférée, Ivoire TV 5. Eudax Iliao a annoncé qu'elle ira en Guinée pour rejoindre le Grand P qui lui avait récemment déclaré sa flamme. Eudax Iliao ira en Guinée pour le Grand P. La nouvelle star de la Guinée, Grand P, lors de son récent passage à Abidjan, avait déclaré publiquement sa flamme pour la Kim Kardashian africaine, Eudax Iliao. Invité à l'émission Fafa d'Ivoire TV Musique, ce monsieur de très petite taille avec une voix à peine audible avait même promis de prendre la revanche de la Gobo Baraba contre son agresseur de Paris. Eh bien, les avances de la nouvelle coqueluche de la musique guinéenne ne seraient pas tombées dans des oreilles de sourds. Puisque Eudax Iliao va rejoindre le Grand P en Guinée le mois d'octobre prochain. C'est la bimbo ivoirienne, elle-même, qui a donné l'information ce mardi 10 septembre 2019 dans un direct sur sa page Facebook. « Je serai le mois prochain octobre en Guinée au concert de mon mari Grand P », a répondu Eudax Iliao à un internaute qui lui a demandé quand est-ce qu'elle serait en Guinée. Par ailleurs, la Kim Kardashian africaine, qui se trouve actuellement à Dubaï, dans le cadre de ses activités qu'elle avait dû interrompre suite à la mort tragique d'Arafat DJ, a présenté à ses amours la chambre de l'hôtel dans lequel elle est logée. « Je suis dans un hôtel 7 étoiles, l'hôtel le plus cher de Dubaï. 1,5 million foufa la journée. Même mon billet d'avion a coûté 4 millions de foufa », a déclaré Eudax Iliao, qui a aussitôt été reprimandé par certains internautes. « Mais tu loues une chambre d'hôtel à 1,5 million de foufa et puis les gens ont cotisé pour toi quand tu étais en France », a désespéré un follower de la Gobo Baraba qui n'est pas resté muette. « Ce n'est pas moi qui paie. On m'a fait plaisir. Donc d'où vient cette aigreur ?» Et puis, arrêtez de dire qu'ils ont cotisé pour moi. Je n'ai jamais demandé aux gens de cotiser pour moi. J'ai de l'argent dans mon compte, a-t-elle déclaré.